J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire. Tadam! Ah, ça, c'est ma caméra qui est en train de biper. Alors, on va faire un petit. Des petits cadres à l'enfilade. Voilà. Pour Noël. C'est tout simple à faire. Vous allez voir, dedans, on met des petites décos 3D, des petits nœuds, des petites choses comme ça. Voilà, donc je trouve ça super mignon. Donc si vous voulez le faire avec moi, eh bien vous restez et puis on le fait ensemble. Alors, donc pour ce projet, il vous faudra trois morceaux de papier. Alors, les décos que vous voulez pour mettre autour. Voilà, moi j'ai pris celui-là, j'ai pris celui-là. Et on va faire le troisième ensemble. Alors, j'ai mon pistolet à colle qui est en train de chauffer. Je l'avais mis à chauffer pour coller mon petit nœud. Je vais en profiter pour le coller. Hop. Voilà. Hop. Alors, donc, trois morceaux de papier différents, hein, pour mettre autour de notre cadre. Pas à l'intérieur, mais pour faire les cadres. D'accord? Donc, trois morceaux de papier différents qui font chaque morceau de papier 23 cm par 23 cm. Ensuite, après, chaque morceau de papier, on va les faire identiques. Vous allez prendre un côté, vous allez faire 1,5. Alors, je pousse mon bazar. Donc, vous allez faire un pli à 1,5. Un pli à 3 cm. Un pli à, pardon, excusez-moi pour le bruit, à 4,5 cm. Et un pli à 6 cm. On va faire un quart de tour et on va répéter la même chose. Alors, 1,5, j'ai bougé mon papier évidemment. Hop. 3 cm. 4,5. 6 cm. On refait un quart de tour et on refait la même chose. 1,5, 3 cm, 4,5, 6 cm. Et sur le quatrième côté, on va faire la même chose. Alors, 1,5, 3 cm, 4,5, 6 cm. Et on fait ça sur les trois carrés, d'accord? Ensuite, après, sur deux côtés parallèles, on va faire deux plis, mais on va s'arrêter au dernier trait que l'on a fait ici. Hop, je vais vous montrer sur le blanc. C'est tout bon. Là, on a fait 1, 2, 3. On s'arrête au quatrième trait. Pardon. On va faire un premier pli à 7,5, 15,5. Et côté parallèle, on va faire la même chose. Je vais le faire de ce côté-là. Donc, à 7,5, on va tracer notre trait. Hop, un ici et un en bas. Et on en fait un autre à 15,5. Et on s'arrête au quatrième trait. Donc, un en bas à 15,5. Et j'en fais un à 15,5 en haut. Voilà ce que ça nous donne. J'espère que vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est fait. Vous faites la même chose sur les trois carrés. Ensuite, après, vous allez venir couper pour le fond de vos cadres. Vous allez faire trois carrés avec des papiers que vous voulez. Moi, j'ai pris des petits blocs 15-15 qui font 10 cm par 10 cm. C'est ça? Oui, 10 cm par 10 cm.
Voilà. Donc 3. Ensuite, après, on va venir couper avec un ciseau. Normalement, c'est mieux. Normalement, j'ai 4 paires de ciseaux. J'en ai même plus que ça. Mais où est-ce que je les ai rangés? J'en sais rien. Alors, je vais prendre les petits. Alors, on va couper le carré. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? Voilà. Donc, on va couper les 4 carrés comme ça. Vous ferez la même chose sur les 3 carrés. Hein. Voilà. Donc ça nous donne ça. Hop. Voilà. Où vous avez fait les 2 petits traits où on s'est arrêté ici, vous allez en fait couper les 2 premiers carrés. Hop. Et celui-ci, vous allez venir faire la diagonale. On coupe les 2 premiers carrés. On n'en a pas besoin. Voilà. Et le dernier carré, on fait une diagonale. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. On coupe les 2 premiers carrés. Hop, et là, on fait notre petite diagonale. La même chose de l'autre côté. Hop, et là, on fait notre petite diagonale. Voilà. Ça vous donne ça. Hop. Voilà. Alors, je vais baisser un peu mon tapis vert parce que vous êtes mal. Donc, du coup, maintenant, on va tout plier. Hop. Et voilà, on va prendre notre petit carré qui fait 10-10 et on va venir le coller au fond. On fait évidemment la même chose sur les 2 autres carrés. On le centre bien. Alors, vous allez voir, ça ne va pas jusqu'aux pliures. Hein. Donc, vous vous inquiétez pas. Voilà. Hop. Et maintenant, on va plier et mettre de la colle. Alors, on prend d'abord où on a les petites languettes sur le côté. Moi, je vais prendre de la colle forte pour que ça aille plus vite, en espérant que ça aille jusqu'au bout parce que j'en ai plus. Hop, on plie et on vient plier comme ça. Voilà. L'autre côté, je fais la même chose. Je mets de la colle sur ma petite languette. Et je rabat. Alors, je fais beaucoup de bruit avec mon bracelet, c'est pas top pour vous. Donc, on va
Hop, déshabiller le sapin de Noël. Tac. On prend les autres languettes de l'autre côté. J'en ai mis partout. Et on rabat. Hop. Tac. On fait la même chose sur le dernier côté. Et on rabat. Tac. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre à l'intérieur. Hop. Hop. En espérant que l'autre côté il soit sec. Sinon, je suis mal. Voilà. Et on va mettre un tout petit point de colle. Voilà. Hop. Et on va mettre un tout petit point de colle ici. En dessous, de façon à ce que ça tienne. Alors, un petit point de colle ici, un point de colle ici, on le passe en dessous, on le met bord à bord et on fait pareil avec l'autre côté. Hop. Faut attendre un petit moment avant que ça colle. L'autre côté est déjà collé, celui-là n'est pas collé. Alors mettez surtout pas de pistolet à colle. Hein. Hop, l'autre côté, je mets un petit point de colle ici. Un petit point de colle en dessous, là. Je le passe en dessous. Là, je fais pareil. Voilà, je retire la colle qui est en trop. Et on attend. On appuie un petit peu pour que ça prenne. Que la mayonnaise elle prenne. Bien évidemment, à chaque fois il y a un côté, c'est la catastrophe. Un côté qui prend et à chaque fois l'autre côté ne veut pas. Voilà, notre petit cadre il est fait. Maintenant on n'a plus qu'à venir le décorer. Donc moi j'ai tout préparé à l'avance. On le remet hop, un petit peu en place parce qu'on l'a trituré. Alors, moi, à l'intérieur, j'ai un petit sapin de Noël, un petit cadeau. Ça, c'est pour mettre sur le côté. Ça aussi. Et voilà. Alors, j'ai mis du 3D tout simple derrière mon petit bonhomme de neige. Je vais le mettre là. Hop. Je lui ai mis un petit cadeau où j'ai mis 3 épaisseurs de mousse de 3D pour faire... Je vais lui mettre devant lui. Hop. Voilà. À côté, j'ai un petit... Je mets ça. Ouais, j'ai un petit... un petit casse-noisette. Le cadeau, je vais pas le mettre là, je vais le mettre là. Hop. Voilà. Après, j'ai des petites étoiles. On va mettre des petites étoiles. Tac. Après, la déco, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est mieux de mettre du 3D dedans. Et là, j'ai un petit ballon.
Du coup, je vais décaler mon étoile. Je vais la mettre là et je vais mettre mon petit ballon. Voilà. Hop. Ensuite, après, on va coller nos petites décos autour. Ah bah allez, comme tu veux. Tac, j'avais une petite enveloppe que je vais mettre en haut, mais je trouve qu'elle est pointue. J'ai un petit nœud aussi qui est tout mimi, on va le mettre là. Et puis on lui mettra une petite perle après. Voilà. Là, j'ai des petits boule. Tac. Et mon enveloppe, elle n'a pas lieu d'être. Je vais juste mettre Joy. Voilà. Joy to the world. La joie dans le monde. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à les accrocher entre eux. Alors, on va brancher le pistolet à colle. On regarde si tout est bien collé, ce qu'il va tout falloir retourner. Et j'espère que on va pousser tout le bazar, parce qu'il va falloir de la place. Sylvie, elle veut faire quelque chose que c'est pas possible. Voilà. Ça, on le range. Ça, on le met à la poubelle. Et on fait, on sort notre petit truc. Alors, moi du coup, c'est rose, alors je vais prendre de la couleur rose. Hop. Alors, on va prendre du ruban. Hop. Tac. Alors, on les met dans... Alors, je ne sais pas comment je vais les mettre. Tac, tac. C'est ça où je mets lui au milieu. Ouais. Alors, on les met à l'envers. Le premier va être là. On s'aligne bien sur notre ligne ici. Et le deuxième, le troisième, on le met bien sur notre ligne qui est ici. On prend notre petit plioir. Alors, attendez, je vais vous décaler parce que je suis mal mise. Voilà. On prend notre petit plioir et on va venir le placer entre les deux premiers. Voilà. On va mesurer ce qu'il nous faut en ruban. Alors. Tac, je fais le tour. Et je redescends. Donc c'est tout bon. Voilà, on va placer notre ruban sur la troisième boîte. On ne le met pas au bout, on le met au milieu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous avancer. Voilà. Est-ce que mon pistolet à colle est chaud? Yes. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup. Moi, j'ai pris, là, je me repère sur... le trait qui est là. Hop. Je mets mon ruban. Évidemment correctement, ce serait pas mal. Voilà. Je replace comme il faut. Et je vais continuer à mettre mon ruban sur la deuxième boîte. Bien évidemment, Sylvie. Hop, alors je vois à peu près où est l'alignement. Hop, c'est le pistolet à colle qui est tombé. Hop, et je mets mon ruban dessus. Voilà. Ensuite, après, je prends mon plioir.
et je vais placer mon plioir ici entre les deux pour en fait avoir le même espacement. Hop, je vais mettre ma colle, je regarde à peu près où faut que je la mette. Je tire, voilà, tac, je vais faire un petit tour et je vais au bout, je vais vous remonter, hop, ici je laisse pour pouvoir l'accrocher en haut et je vais mettre mon ruban de l'autre côté. Alors, je fais à peu près ici. Sur l'autre. Hop, je déplace mon plioir. Je le remets sur le troisième. Je reste bien droit, même si on a déjà placé les autres. Et je vais mettre sur le dernier, là c'est pas difficile parce que je suis le trait. Je tire sur ma cordelette sur mon ruban. Hop, et voilà. Je coupe l'excédent. Et voilà. Terminé. Alors, on va, avec le reste de nœud, on va peut-être pouvoir faire un petit nœud à la fourchette pour le mettre en bas. Alors, on se refait un petit nœud à la fourchette. Hop, on va faire un double nœud à la fourchette. Tac, on passe au milieu de la fourchette, on rattrape derrière. Là, sans que ça sorte évidemment. On le passe là au milieu. Et on vient le passer ici derrière. Hop. Alors moi je le fais avec le ciseau, ça va plus vite. Sans faire de bêtises évidemment. Quand on veut aller vite. Hop. Je vais le passer derrière ici. Ben non, il n'a pas envie. Voilà, je vais passer 2 heures à faire un nœud à la fourchette. Alors que hors caméra, tout va bien. C'est phénoménal ce truc-là. Voilà, hop, on le rattrape derrière, voilà, voilà, et on tire dessus, tac, on tire sur notre petit nœud, on a fait un double nœud,
coupe là. On coupe là. Et je vais venir le coller en bas. Alors, on écarte bien les petits nœuds. Pour ça, moi je prends la pince à épiler. Comme c'est tout petit, pour aller chercher l'autre, voilà. Et l'autre côté, je fais pareil. Je prends la pince à épiler et je vais chercher le deuxième, voilà, qui est au fond, pour faire mon nœud double. Voilà, et je vais le coller en bas. Voilà. Et bien voilà, il est terminé. Hop, je vais vous reprendre sur l'autre. Alors donc voilà, j'en ai fait deux complètement différents. Hop, celui-là et vous avez vu, ça va vite. Hein. Voilà, je trouve ça très mignon pour mettre dans une chambre d'enfant pour Noël. Je trouve ça super sympa. On peut s'amuser à faire plein de petits trucs. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Petit pouce. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de tutos. Ciao, ciao.